Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à la gare de Luxembourg-Ville pour le match de cette fois-ci de première division luxembourgeoise. On va changer, c'est la BGL League. Et ce sera le match entre le RM Am Benfica, le club de la communauté portugaise luxembourgeoise, et le Swift Esperange, qui par là au passage est le club où j'ai fait mes débuts en football quand j'étais petit. À l'époque, c'était un petit club du milieu de tableau de BGL League. Ils sont descendus par la suite. Là, cette année, ils remontent et ils ont beaucoup d'ambition. Ils ont été rachetés par Flavio Becca, l'homme qui avait ramené Dudelange jusqu'en Europa League. Comme vous le savez, si vous suivez mes stories sur Snapchat, Facebook, Instagram, j'étais censé aller voir le match Toulouse-Auxerre cette semaine. Match finalement annulé, mais pas grave, étant donné que moi-même j'avais un changement de programme, j'étais censé passer par la Belgique et repasser par le Luxembourg ensuite. Ça tombe bien, ici aussi on laisse à nouveau des supporters retourner au stade. Les stades sont pas super remplis, bon, il y aura, les ambiances sont pas terribles non plus, il y a quasiment pas de groupe de supporters, mais on va en profiter pour se faire un peu cette ville qui m'a vu naître. Je suis un peu chez moi ici, quoi. Bon, le programme est serré un peu aujourd'hui, donc je vais vous donner juste un aperçu de la ville, et dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, on aura plusieurs occasions, j'espère, de repasser par ici pour d'autres matchs. Je vous emmène donc pour l'instant faire un petit tour en ville, et ensuite après direction Sens pour aller regarder le match entre le RM Am Benfica et le Swift Esperange. A tout de suite. Quartier de Sens à présent derrière moi, vous voyez un des lampadaires du stade de Sens. On va arriver tout calmement. Pour ceux que ça intéresse, pour arriver jusqu'ici, à la gare de Luxembourg, vous prenez le bus numéro 14 et vous sortez à l'arrêt Tavieux. Et voilà, c'est pratique. Faut savoir que c'est pas dans toutes les villes du Luxembourg que vous avez des bus comme ça, aussi régulièrement, même un dimanche. Bon, on va aller maintenant se rendre au stade, en espérant que je puisse encore attraper une place, parce que c'est limité à 550, il me semble, donc logiquement ça devrait le faire, mais on sait jamais, donc on verra. À tout de suite. Bon, alors qu'il y a un peu de musique de fond, je vous montre un peu l'environnement. Là, c'est la quatrième journée aujourd'hui. Le Swift Esperange arrive en déplacement et l'un des gros favoris de ce championnat depuis qu'il a été racheté par Flavio Becca était descendu en deuxième division depuis un petit moment. Et là, ils viennent de remonter, ont racheté tout un tas de joueurs de premier ordre au Luxembourg, à commencer par le gardien, Jonathan Joubert, qui était l'ancien gardien de l'équipe nationale. Et maintenant, vise au moins une participation européenne, et c'est ce que je leur souhaite, évidemment, donné que j'ai une petite attache avec ce club.
De l'autre côté, le RMA Benfica a fait un début de saison catastrophique, 14e du championnat et va probablement lutter pour le maintien. Et voilà les enjeux pour aujourd'hui. Premier du classement actuellement, Vitória Rosport, dans lequel joue d'ailleurs par ailleurs mon frère. Espérons que ça dure pour eux. Et Dudelange également est un sérieux candidat au titre. Il y en a d'autres comme le Progrès Niederkorn. Mais tout ça, on verra au fil de la saison. Moi, je vous souhaite un bon match. Bon, pas, vous imaginez bien, pas de supporters aujourd'hui, mais pour le coup, on va pouvoir un peu plus se concentrer sur les actions de match. Et vous pourrez un peu constater le niveau qui n'est pas non plus énorme, mais très, très correct selon moi du championnat luxembourgeois. Bon match. Et voilà, malgré une deuxième mi-temps encore dominée par le shift, quoique beaucoup moins nettement, le RMA Benfica a relevé la tête. Et même en encaissant l'ouverture du score, ils ont su réagir. Donc au final, score final 1-1. Ça m'a fait plaisir quand même d'avoir vu un match qui était divertissant. Et bon, je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures.